Hey tout le monde, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui. Et aujourd'hui nous allons faire le thème... Alors, je vous explique. Je suis tout le temps en retard dans mes vidéos, forcément. Donc forcément j'ai loupé le thème et beaucoup de choses. Et j'ai 2-3 trucs à vous dire, voilà. Donc on va en profiter pour faire tout ça. Donc alors on se retrouve sur Movistar Planet, donc on va aller faire le shopping, donc mode fille. On va faire le mode fille et le mode garçon je pense. On va faire les deux modes, j'aime bien faire les deux maintenant qu'on a l'opportunité de s'habiller comme un monsieur. Que j'enlève tout ça là, c'est ma merde. Voilà, tout est fraîche, tout pimpante. Alors on a les premières coupes. Alors moi je fais toujours un tour de tout ce qu'il y a dans le pack, enfin dans le thème. Souvent les gens me disaient mais pourquoi tu fais pour faire des looks si beaux? Alors déjà ils sont pas forcément jolis, ils sont normaux. Et en fait je passe littéralement 4 heures à faire un look. Donc je pense que c'est normal qu'au bout d'un moment en fait le look il est pas mal. C'est parce que en fait, je mets tellement toute ma vie que oui voilà. Et je suis ce genre de personne qui perd son temps sur Movistar Planet. Voilà, tout à fait, critiquez-moi c'est pas grave. Donc alors moi j'aime bien ses cheveux, j'aime bien cette couleur de veuche. Voilà donc le thème c'est A Walk in the Park. Pardon pour mon English perfect. Perfect English, voilà hein. Donc alors forcément le masque hein. Donc le masque je pense qu'on va le mettre bleu. Bah genre pour rappeler les masques quand... Mais en fait y a pas un bleu potable. Il y a pas un bleu beau quoi. Non mais c'est quoi cette armure? On va mettre bleu. Oh non, on va mettre rose en fait. Oh, je suis indécise. Ça y est, ça commence. On va faire un look rose. Voilà, on va faire un look rose. On va rester dans le thème de mes looks. Alors, c'est quoi tous ces machins? En fait, c'est quoi? C'est le thème chien? Ah non, parc. Ah d'accord, oui, bah forcément, il y a des chiens qui se baladent dans des parcs. Oui, bref. Donc, on va continuer le look et en même temps, je vais vous expliquer une petite chose. Donc, je vais répondre à une question en fait qui m'a été posée aujourd'hui, je crois. Donc, une personne qui m'a posé la question si j'allais reprendre les lives, etc. Donc, je pense que. Enfin, vous êtes pas si nombreux que ça à avoir découvert que j'avais fait un live la dernière fois. Je sais. C'est très bizarre comme ça. Mais non, en fait, j'ai pas fait un live, j'ai fait des tests live. Voilà, je voulais tester pour voir si ça fonctionnait. Et effectivement, mes petits cocos, vous allez devoir atteindre 1 an pour que je puisse faire un live. C'est très décevant. Je vous déçois énormément. Mais en fait, j'ai une connexion tellement à chier. Que honnêtement je peux pas faire tourner un live, c'est impossible. Donc je dois attendre cette magnifique fibre début 2022. Voilà. Donc enfin j'espère que ça sera début. C'est pour ça que je vous ai dit 1 an. Donc espérons que ce soit pas très très long, parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup envie de reprendre les lives. Même si je dois encore faire ma salle de streaming etc. Qui n'est pas encore faite bien sûr, hein, parce qu'on est beaucoup, on a beaucoup de travaux en ce moment. Donc voilà, il faudra patienter un petit peu. Voilà, je suis vraiment désolée sur ça hein, d'accord. Ne me criez pas dessus, ce n'est pas ma faute. C'est l'endroit qui est pourri. C'est l'endroit, c'est pas la maison qui est pourrie en soi, c'est l'endroit. Donc voilà, il faudra patienter un petit peu. Mais bon, je reviendrai en force dès que possible. Pour le moment, j'essaye de faire des vidéos pour vous montrer que je suis toujours là et que je ne suis pas décédée. Ouais. Ce look est magnifique. Voilà. Si vous voulez l'acheter, il n'y a aucun problème. Moi, ça me dérange absolument pas. Justement, au contraire, je pense que si vous me l'achetez, c'est qu'il est très beau. Donc n'hésitez pas. Oula, c'est moche. Et je suis désolée en ce moment de mon inactivité, mais en ce moment je suis sur ma conduite. Donc je me concentre énormément sur ma conduite, je suis énormément stressée parce que je passe le permis le 9. Voilà, donc si vous voulez n'hésitez pas à l'acheter. Donc boum, on va acheter ça déjà. Et puis on va laisser un petit look garçon pour que je puisse vous dire la deuxième petite chose que je vais vous annoncer. Que j'ai déjà annoncé sur mes réseaux mais que je vais vous annoncer. Et n'ayez pas peur, hein, ne soyez pas choqués, hein, d'accord, j'ai énormément changé. Donc alors je vais vous expliquer, je me suis créé un OnlyFans. Oui, je sens déjà dans les commentaires. Ouais, mais c'est un truc de huc. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, tu peux, mais c'est pas en partie ce genre de choses en fait. De base, on part sur, oui, sur un site où tu postes du contenu de boules. Mais moi, c'est pas du tout mon cas en fait. En fait, si vous voulez, mon OnlyFans, c'est pour vous partager mes plus grosses photos, mes plus gros clichés cosplay. Donc, c'est des photos que je ne divulguerai pas sur Instagram, ni sur MSP, ni. Ce n'est pas des photos où c'est des nudes ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y a aucune nude, je ne montre aucune partie de mon corps. Voilà. Donc, j'ai juste fait ce compte pour en fait partager mes cosplays. Donc, c'est des photos que j'oserais pas poster sur Instagram. C'est pour ça que je préfère les poster sur un autre site. Voilà, je me suis créé ça. Donc, alors, les personnes qui connaissent, ne vous dites pas que oh là là, ça y est, elle s'est fait un OnlyFans. C'est quelle galère, la petite thune. Pas du tout. Je travaille encore un boulot, j'ai encore une vie, vous inquiétez pas. Voilà, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour, voilà, pour moi. Donc j'ai mis un prix, forcément, parce que de toute façon, de base, on part sur un prix. Et c'est le but des OnlyFans. Essayez quand même d'être un minimum majeur, s'il vous plaît, avant d'aller sur ce genre de site. De ne pas payer pour rien et avec la carte de votre papa ou votre maman. Donc sur mon profil, contenu uniquement basé sur le cosplay, donc vous allez retrouver beaucoup de Miku. J'ai ni honte de rien, hein. J'assume totalement que j'ai fait ce genre de choses. Voilà, c'est pour vous annoncer ça. Vu que de toute façon, avant, je ne vous cachais rien, et bien voilà. On va aller voir les animations, parce que du coup, on parle, mais on va pas assez sur MSP. Enfin, dépêche-toi, non, dépêche-toi. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, hein, parce que je suis assez active et il y a la progression de ma maison dessus. Oh, je déteste les animations. Genre, t'as que des chiens. J'adore les chiens, hein, vous inquiétez pas. Mais t'as que des animaux. Genre, t'as pas une animation où elle est tranquille, quoi. Mimi. J'ai vu qu'il y avait un événement rare également. Donc, ouais,
à voir. J'ai rien ouvert encore. À voir. On verra. En même temps, tu vois les cadeaux. Hein? On verra. Enfin bref, voilà, voilà. Donc les petits looks sont prêts. Donc si vous voulez les acheter, n'hésitez pas. Ils sont... Vous pouvez de toute façon toucher à tout. Et voilà, voilà. Donc sur ce, voilà, j'ai annoncé ce que je voulais annoncer. Je pense que je n'ai rien oublié. Tout va bien. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à aller dans ma description pour aller voir un petit peu tous mes liens. Sur ce, bah, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Et surtout, bah, énormes bisous hein, sur vos fesses. Hein. Allez, bisous tout le monde.